ah no che se il telefono si fa come ça On a, j'ai eu des petits problèmes techniques et ça persiste. Donc là, la manière de filmer le téléphone, parfois ça prend, parfois ça prend pas bon. Mais on va faire avec, on va faire avec. L Essentiel, c'est de partager euh, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour son Église. Ok, nous bénissons le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Glorifie ton nom encore ce matin. Seigneur, malgré les aléas, si on va aller avec et que ton nom soit glorifié, à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, j'ai parlé hier, j'ai annoncé que je devrais revenir sur euh, la veillée du docteur Charles Somba, à laquelle j'ai eu l'honneur et la grâce de participer. Je voudrais dire merci à, à, à tous les cadres, tous les responsables de l'église de Va et raconte et à l'épouse du docteur Tchalai Somba pour l'accueil qui m'a été donné. Nous bénissons le Seigneur. Je me suis senti aimé, je me suis senti chez moi, je me suis senti à la maison. C'est ça la vérité. C'était pour moi la première fois de me rendre euh, à Va Raconte. Donc je bénis le Seigneur pour euh, nos bien-aimés de ce côté. Je leur présente encore mes sincères condoléances ainsi que les sincères condoléances de notre communauté. Nous vous aimons et ça fait des années, de longues années, que nous prions pour vous, que nous prions pour le docteur Chalais-Somba, que nous prions pour son épouse, sa famille, etc. Ça fait de longues années que nous prions pour vous. Et je pense que l'éducation que nous nous avons reçue, que j'ai reçue de Dieu, du Seigneur Jésus Christ, c'est l'éducation que j'ai retransmise à son église, au ministère qu'il m'a confié celle de l'unité du corps de Christ, celle du respect des hommes de Dieu, celle de l'amour de Christ qui doit caractériser la vie d'un vrai croyant. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit, l'apôtre Jean a dit, petits enfants, n'aimons pas avec la bouche seulement, avec la langue, avec la parole, mais aimons en action. Donc je crois aussi sincèrement que l'amour se distingue. Par des actions et non pas par des paroles vides de sens. Et à mon humble avis, dans ma façon de voir les choses, je crois que si quelqu'un compte pour vous et que cette personne traverse des moments difficiles, mais surtout un deuil, comme ce que nous avons vécu avec le docteur -Somba, et Somba, ou bien ce que moi j'ai vécu personnellement, et que ça veut dire que si quelqu'un est mon ami et que je suis endeuillé et que mon ami n'a pas le temps de venir m'assister pendant tout mon deuil, alors je dois comprendre, ce jour, je n'ai pas besoin d'un autre témoignage, je dois comprendre que cet ami n'était pas un vrai ami pour moi. Et surtout, si je perds mon conjoint, ça veut dire si quelqu'un perd son mari ou si quelqu'un perd sa femme et quelqu'un que tu appelles ton ami, que tu dis considéré. Et que tu trouves une excuse ayant les moyens et les possibilités, mais que tu ne viennes pas, euh, je crois que c'est trop clair. Cette personne n'a jamais été ton amie. Elle n'a jamais compté pour toi en réalité. Et que ton amitié pour cette personne était hypocrite. C'est ça la réalité. Pour moi, personnellement, euh, je l'ai compris. Si vous êtes endeuillé et quelqu'un que vous appelez votre papa ne vous assiste pas, ou bien quelqu'un que vous appelez un frère, n'a pas le temps d'abandonner ses occupations pour venir vous assister parce que vous avez perdu votre femme ou votre mari. Je dis que cette personne ne vous a jamais aimé. Ce n'est pas un bon ami, c'est une mauvaise personne pour vous. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. C'est aussi ça le signe de l'amitié. L'ami aime en tout temps. Sa dimension met l'histoire de la foi chrétienne de côté, laquelle foi aujourd'hui est dans un désordre total. Pas seulement ici en Afrique, mais aussi même l'Église de Dieu en Europe. Et je veux dire que l'église de Dieu en Europe, je suivais ce matin euh, ce qui arrivait à l'apôtre Mukendi. Et, et puis il y a notre soeur de Casarema, je pense l'épouse, euh, enfin notre soeur qui a Casarema et son mari, qui était en train de parler, un peu comme pour exhorter les bien-aimés, euh, sur le fait qu'aujourd'hui l'église, lorsqu'un homme de Dieu a des problèmes, parce que je pense que c'était une histoire de viol, on l'accusait d'une affaire de viol. Lorsqu'un homme de Dieu a un problème, c'est les chrétiens qui veulent qu'on en finisse avec lui. C'est les chrétiens qui l'insultent. Et moi, quand j'écoutais son direct, j'ai lu quelques commentaires du direct de notre soeur et j'ai découvert des insultes qu'on lui donnait. Pourtant, ce qu'elle faisait n'était pas mauvais. Toutes ces personnes, personne n'a eu le courage de le faire. Elle a pris cela à cœur. On a des femmes courageuses encore dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les gens ont commencé à. Et puis j'ai dit à moi-même que vraiment, et je crois qu'il faut que nous comprenions que ces personnes qui viennent faire ce genre de commentaires ne sont pas des chrétiens, ce sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui prétendent être au-dessus de la vérité, mais en réalité, qui n'ont pas l'esprit de Christ en eux, ce sont pas des enfants de Dieu. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et souhaiter le mal d'autrui. L'esprit de Christ en vous ne peut pas faire ça. Manzimbi. Mazimbi, ça veut dire quoi? Donc, ah, c'est Lise Mazimbi. D'accord, c'est notre soeur Lise Mazimbi. Voilà. Gloire à Dieu. Merci pour vous. Euh, vous êtes un peuple informé. Donc je dis que quelqu'un qui hait son frère n'a pas l'esprit de Jésus. Ce n'est pas possible. Donc moi, je ne peux pas perdre mon temps à l'appeler même frère. Quelqu'un qui veut le mal, la destruction, la chute de son bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les lois de l'esprit de Christ. L'esprit de Christ n'habite pas en lui. Et les lois de l'essuie de Christ ne sont pas trouvées en lui. Il n'y a pas de respect des lois de Christ en lui. Donc, une telle personne, ce n'est pas un chrétien. Mais parfois, nous, nous, nous disons que c'est des enfants de Dieu. et tout. Non, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Donc, quand je regarde l'église de Dieu aujourd'hui au Cameroun, je suis triste. Je suis très malheureux. Je suis vraiment malheureux. Quand je suis arrivé aux obsèques du docteur Chalais Somba, j'ai regardé. J'ai dit, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit... La veillée du docteur Tchalai Somba. c'est pas possible. c'est pas du tout possible. Juste le fait que j'ai annoncé ça, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, oh, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, je pense que ce n'est plus important. Le temps-là est passé. Ce que Dieu nous met à cœur, nous allons faire cela. Que vous soyez contents ou pas, vraiment, ça n'empêche pas que nous le fassions. Et je bénis Dieu quand même parce que vous êtes connectés et que le message passe. Et certains d'entre vous, il y a des vérités que j'ai dis ici qui vous blesseront, un peu comme un chasseur qui a blessé. Un animal, un animal gravement blessé finira par succomber à ses blessures. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, d'entre vous qui êtes aujourd'hui ennemis de la vérité et qui suivent nos pages, la vérité que je dis est une blessure mortelle pour vous. Vous succomberez tôt ou tard en acceptant vraiment Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Donc, lorsque je suis arrivé euh, aux obsèques, ça ne pas les obsèques, ça veut dire, je veux dire, à la veillée, la grande veillée d'adieu. L'occasion qui a été donnée au corps de Christ de pouvoir lui dire au revoir, j'étais choqué parce que mes yeux ont vu. J'étais vraiment, vraiment choqué par le fait que l'église, je vais raconter, la salle n'était pas pleine, elle était vide. J'ai dit Mon Dieu, qu'est-ce que mes yeux voient Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'église au Cameroun J'essaie de regarder, euh, je me suis rendu compte que. Les hommes de Dieu au Cameroun n'ont pas honoré cet homme, ce, 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 ce grand homme de Dieu. Ils n'ont pas honoré. Et lorsque l'occasion m'a été donnée de parler là-bas, j'ai expliqué que le docteur Tchalessomba était un peu comme notre Tibi Joshua au Cameroun. C'est-à-dire que c'était l'une des personnes les plus controversées parce qu'elle était incomprise. C'est ça aussi la réalité, elle était incomprise. Dieu l'a appelé et il a fait l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé. Ou bien son œuvre n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais il faut retenir que des centaines de milliers de personnes dans cette nation et ailleurs ont été sauvées par le message qu'il prêchait et Dieu lui a donné un grand ministère de délivrance qui ne nous a pas donné. La Bible dit il y a diversité de ministères mais un seul Seigneur, diversité d'opérations mais un seul Esprit. Donc c'est ça que l'Église de Dieu n'a pas encore saisi, c'est que les gens peuvent avoir les ministères ne sont pas les mêmes, les ministères sont différents. Il y a des gens qui ont des ministères compréhensibles, il y a des gens qui ont des ministères incompréhensibles et inaccessibles. L'apôtre Pierre parlera du ministère de l'apôtre Paul comme étant un ministère inaccessible, incompréhensible. Le genre de personne qui manifeste une notion bizarre, une notion, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Et c'est l'apôtre Pierre qui défend l'apôtre Paul. Pourquoi Parce que à son époque, l'apôtre Paul n'était pas accepté par les frères. Il était rejeté par l'Église. Et toute la vie de l'apôtre Paul, il a passé à essayer d'être accepté, de, de se faire accepter, de s'imposer. C'est cela qu'à la limite, l'apôtre Paul avait parfois des arrogances ministérielles. Parce qu'il n'acceptait pas qu'on lui marche dessus, parce que les gens disaient, toi tu es apôtre comment On connaît les douze, il n'y a pas un treizième apôtre. Et dans toute sa vie, il s'est battu. Et l'apôtre Paul le dira dans toutes ses lettres. Quand vous lisez mais les introductions de ses lettres, par exemple, l'apôtre Paul dit toujours d'habitude il dit, et dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, Kaito kai to Adelphos et le frère Timothée. Donc, pour dire quoi L'apôtre Paul va plusieurs fois se justifier. Il va se défendre parce qu'il n'est pas accepté, il n'est pas compris. Et c'est l'apôtre Pierre qui expliquera qu'il y a des personnes mal affermies qui condamne Pierre, qui condamne Paul, et puis qui interprète mal ses dires et ses faire Parce que ces personnes ne comprennent pas, parce qu'il a une notion incompréhensible, et incompréhensible, dont une notion inaccessible. Et c'est l'apôtre Pierre qui explique ça. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a des gens qui ont des ministères parfois trop truffés de mystères, en sorte que ceux qui sont mal affirmés ne peuvent pas comprendre cela. Quelle que soit la raison de ta haine pour le docteur Tchalessomba, ou bien... Pour l'œuvre qu'il a faite, ça t'engage toi seul. Mais ça n'empêche pas que ce soit un général. Ça n'empêchera pas que cet homme entre dans les annales et le livre des chroniques des généraux de l'Église au Cameroun. Beaucoup de personnes m'ont demandé vraiment, tu le défends Qu'est-ce qu'il a fait Son évangile, c'était quoi La question, ce n'est pas son évangile, c'était quoi La question, c'est toi, ton évangile, c'est quoi Avant de répondre à sa question, il faut que toi, tu m'expliques qu'est-ce qui est ton évangile Toi, tu es d'abord qui Je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu as fait au jeu du monde aux yeux de la nation, aux yeux de l'église de Dieu au Cameroun. Quelle est ton œuvre, si on te demandait Quelle est ton œuvre On ne peut pas compter le nombre de personnes qui ont été délivrées par le ministère de cet homme. Je n'ai jamais rencontré le docteur Chales Somba pour votre information. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais changé un seul mot. C'est ça la réalité. Son épouse, on n'a jamais, on ne s'est jamais changé le bonjour. Non. Mais, ma responsabilité, quelque part, aussi, c'est d'amener l'Église au Cameroun de prendre conscience et de l'Église en Afrique et dans le monde entier de prendre conscience. Il y a trop de divisions parmi nous. Et je pense que ces divisions sont venues parce que le taux d'inconversion dans l'Église et dans nos assemblées est en train de s'accroître. Ça fait donc qu'on a beaucoup de païens, de dédans qui se font passer pour serviteurs de Dieu ou bien enfants de Dieu, mais qui en réalité, les cœurs n'ont pas été circoncis et la vérité n'habite pas en eux. Et c'est à cause de ces personnes-là qu'il y a autant de troubles, en sorte que les vrais enfants de Dieu se trouve divisé à cause de ces personnes qui se sont mises comme des arbitres entre les vrais enfants de Dieu et entre les vrais serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ces paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ça la vérité. Et ceux qui invoquent vraiment le nom du Seigneur ne vivent pas dans l'iniquité, ils s'éloignent du péché dans toutes ses formes. Donc j'étais choqué de me rendre compte que les gens même de Vairakon n'étaient pas présents. Ça veut dire que les personnes pour qui le docteur Tchalé Somba a sacrifié sa vie, ces personnes-là n'étaient pas là. C'est quand même le pionnier de la méga église au Cameroun. Personne ne peut nier cela. Il y a des gens qui ont une grâce exceptionnelle. Sans radio, sans télévision, à l'époque, ça fait de longues années qu'ils remplissaient déjà le palais des sports. Il y a Berthois, j'ai vu une des vidéos où cet homme remplissait, a rempli le palais des sports. Moi, j'ai rempli le palais des sports. Les gens ont dit que, ah, donc c'est rempli le palais des sports qui signifie qu'on est un vrai homme de Dieu. Et je pense que ça fait partie des critères d'un vrai homme de Dieu. On ne peut pas enlever ça. Bibliquement parlant, Jésus a rangé de grandes foules, faisait des cultes avec 12 000 personnes. 12 000 personnes, avec 5 000. La Bible donne le nombre comme pour montrer l'impact de son ministère. C'est aussi cela, c'est la promesse de Jésus. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Donc, la croissance de l'Église fait partie, c'est le désir de Dieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations. Toutes les nations, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas dix personnes. Donc oui, le grand nombre de personnes, la foule, fait partie des signes de l'authenticité la, de l'appel de Dieu dans la vie d'un homme en s'appuyant sur le ministère de Jésus, et en s'appuyant sur le commandement qu'il a donné à l'effet de toutes les nations de disciples. Toutes les nations-là, c'est des millions de personnes, c'est des milliards de personnes, toutes les nations. Donc le désir de Dieu, c'est oui, qu'on puisse toucher toutes les nations, qu'on touche le maximum de personnes possibles. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui, pour justifier euh, leur médiocrité ministérielle à cause du peu de nombre de personnes qu'ils ont, ou de laisser le blocage qu'ils n'ont pas pu renverser dans leur ministère personnel. Veulent fustiger ceux qui arranguent des foules, qui attirent des foules, pour dire à leur brebis, et régulièrement, c'est devenu une chanson pour ce genre d'homme de Dieu médiocre. Non, ne suivez pas vous, je mets suivre la foule. Hein? Parce que vous pensez que c'est ceux qui ont la foule qui ont Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Et bon maintenant, je te pose la question, la foule suivait Jésus ou pas je Réponds à la question. Je pense que dans toute la Bible, on n'a jamais autant utilisé le mot foule que pour Jésus-Christ. On n'a jamais, on n'a jamais autant utilisé le mot « foule » que pour Jésus-Christ. C'est pour lui que la Bible utilisera le mot « foule » dans le Nouveau Testament. Personne n'a autant, c'est-à-dire on n'a jamais autant parlé de la foule qu'avec le cas de Jésus de Nazareth. Hmm? Quand on parle de la foule, c'est des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Donc si pour vous, Rassembler des milliers de personnes, c'est un signe qu'on est faux, dont Jésus-Christ était le premier à être faux. C'est ça la réalité. La Bible dit, par exemple, comme, euh, comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchaient et lui dit, Renvoie la foule. Luc, 12, Luc 9, 12. Luc 9, 16. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, élevant les yeux vers le ciel, les bénit tant, 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 et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. La Bible parle de la foule. Luc 9, 37. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Donc Jésus était faux. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Maître, je t'en prie. Luc 9, 38. Luc 11, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Et Luc 11, 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit. Jésus ne prêchait pas à dix personnes. Jésus ne faisait jamais un culte pour 100 personnes, 500 personnes ou 1000 personnes. Non. Jésus était un homme de foule, de la foule. Donc, d'où vient-il que les gens disent que non, eh, oh, vous suivez ceux qui ont la foule, ce n'est pas ça le signe que Dieu appelait quelqu'un. Jésus-Christ, c'était un homme de la foule. Donc, c'est un manteau que Jésus avait. On ne peut pas négliger ce fait. Donc, lorsque j'ai vu cela. Euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Vous voyez, j'ai beaucoup eu mal. Les hommes de Dieu l'ont délaissé jusqu'à sa mort. Et l'Église même l'a aussi abandonné jusqu'à sa mort. Je pense qu'au moins, elle a dit au revoir. Moi, on était à Berthois. J'ai clôturé le culte vers 20h. J'ai dit à mon chauffeur qu'on doit se rassurer d'être à la veillée du docteur Tchalessomba. Je ne peux pas manquer ça. Parce que si je manque ça, je n'aurai plus jamais l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer de sa vie. Mais euh, je pense qu'il fallait au moins que. Et je lui dis au revoir. Donc, nous sommes arrivés là-bas et on est quittés au petit matin. Et je veux dire merci à Dieu encore pour m'avoir accordé l'occasion. Parce que s'il ne l'avait pas fait, ma conscience me jugerait pour toujours. C'est un père de l'église au Cameroun que nous ne voulions pas. C'est un homme de Dieu que nous voulions ou pas. Maintenant, je vais parler de deux choses pendant ce direct. Deux choses, deux réflexions, deux centres réflexionnels. Euh, le premier centre, c'est ceux qui se sont évertués à combattre cet homme et à combattre les hommes de Dieu dans cette nation qui se distingue. Parce que à vrai dire, au Cameroun, les faux, c'est ceux qui rassemblent les gens, les foules. Et cette tendance a aujourd'hui, la, la tendance, permettez-moi la répétition, de devenir un peu comme le vrai évangile. C'est-à-dire que les hommes de Dieu qui font foule dans notre nation, c'est les faux. Ils utilisent les écosses, ils ont trempé, c'est ça qu'on dit d'habitude. Ils ont trempé, ils ont mis la main quelque part. Parce qu'au Cameroun, si tu ne mets pas la main quelque part, les gens ne peuvent pas te suivre. L'onction de Jésus est finie au Cameroun. En sorte qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent se consacrer à Dieu, chercher la face de Dieu, donner leur vie à Christ. Ça veut dire que euh, tellement être consacré à Dieu que la grâce des foules puisse aussi descendre sur elles. C'est un problème au Cameroun. Et, et c'est des hommes de Dieu d'une certaine catégorie qui passent leur temps à essayer d'envenimer la conscience du peuple de Dieu. Maintenant. J'ai posé une question lors de mon allocution euh, introductive, euh, invitant les gens à ce direct. J'ai posé une question. Donc, vous qui insultez, par exemple, le docteur Chales Somba vous l'insultez. Tu parles. Quelqu'un qui, lorsque tu étais encore dans les boîtes de nuit, il prêchait derrière l'évangile, il a un grand-père dans l'évangile, un doyen, il prêchait Christ. La première fois où je connais le docteur Chales Somba et que j'entends parler de lui, à moins un, il aurait été mon père spirituel. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. À moins un, il aurait été mon père spirituel. Pourquoi est-ce que je le dis En 1994, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en 1995, mon père m'a chassé. Et quand mon papa m'a mon papa chassé, euh, j'étais abandonné à moi-même. Je ne savais pas où aller. Et donc, en Gaoundé, à cette époque-là, en 1995, je me souviens bien, il est venu. Je pense, je pense, c'était dans un stade. Il est venu là-bas parce que il avait écrit son livre. Il avait écrit un livre. Je ne connais plus le titre du livre, mais il était venu et c'était pour une grande campagne. Et des milliers de gens s'étaient rassemblés. Je dis bien en 1995, des milliers de personnes se sont rassemblées en Gaonderé pour sa campagne. Et donc j'avais résolu dans mon cœur aller. Dans cette campagne d'évangélisation, le rencontrer pour lui dire que je suis un jeune musulman qui cherche quelqu'un qui va m'aider à être affermi dans ma foi en Jésus. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis que je puisse aller là-bas. Je me suis retrouvé à la vraie église de Dieu de Papa Nesotou en 1995. Ça fait au moins 27 ans aujourd'hui. Hum? Ça fait 27 ans aujourd'hui, ou 25, 26 27 ans aujourd'hui. À l'époque où moi, j'étais encore païen, musulman, lui, il convertissait déjà les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et je vais me lever au nom de quoi pour venir l'insulter Toi, tu n'as même pas dix ans dans la foi, tu es un homme de Dieu. Tu n'as pas fait dix ans dans la foi. Tu veux insulter quelqu'un qui est ton grand-père dans le règne de l'esprit, tu t'appuies sur quoi Pendant qu'il bataillait pour le royaume de Christ. Pendant que les anges l'accompagnaient dans ces batailles pour convertir et délivrer les gens de la puissance de la sorcellerie, toi, tu étais encore en boîte de nuit, tu vivais dans l'adultère, dans la fornication, tu vivais dans le mensonge, dans tous les cas, tu étais un inconverti. Et tu vas venir te lever pour insulter une gloire comme celle-là. La crainte de Dieu est où Parmi les hommes de Dieu. Il y a une délinquance spirituelle qui s'est attaquée à ces générations d'hommes de Dieu. Tu vois un jeune homme qui n'a aucune histoire avec l'Église. Rassembler 1000 personnes te dépasse. Rassembler 500 personnes, tu ne peux pas, tu es incapable. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons vrais envers nous-mêmes. Si tu te mens à toi-même, c'est un problème. Si tu mens à quelqu'un d'autre, on peut te ramener. Mais si tu te mens à toi-même, c'est un problème. Ton Église est là, le ministère te tape à gauche, à droite. Tu insultes une gloire. Tu insultes le premier homme de Dieu qui a porté l'onction de la méga-Église au Cameroun. Le premier homme de Dieu qui seul a rempli le palais des sports a claqué. Rempli le palais des sports au point où les gens étaient serrés comme des sardines. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Les gens étaient debout. Quelqu'un qui disait au nom de Jésus, les sorciers venaient tomber au pied du nom de Jésus-Christ pour abandonner la sorcellerie. Des captifs par dizaines de milliers, centaines de milliers dans ce pays et dans d'autres nations ont été sauvés. À cause de l'évangile que cet homme a prêché. Et toi, tu te lèves, on ne te connaît même pas et tu es juré une gloire comme celle-là. Et si vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui tellement ont travaillé pour l'Église qu'elles sont devenues des emblèmes, des gloires, que la Bible les appelle des gloires, frères, des gloires. Laisse-moi lire un passage biblique ici. Euh, je pense que c'est dans. Euh, dans Jude, le livre de Jude. La Bible dit malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Cette génération d'hommes de Dieu d'aujourd'hui méprise les autorités et ils injurient et elles injurient les gloires. Tu peux insulter quelqu'un qui a accompli des choses que peut-être, c'est à dire que tu n'accompliras jamais toute ta vie, que tu n'accompliras jamais. Les gens disent que ok. Est-ce que c'est rempli le palais des sports qui montre qu'on est authentique Va donc remplir. Va remplir. Si c'est facile, si c'est donné. Si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas une grâce qui remplit. J'étais à avec le prophète Martial. Quand on a fini le troisième jour, il ne parlait plus dans la voiture. Et je lui ai demandé Mais pourquoi tu ne me parles pas C'est la première fois que je euh, te vois rester muet après un programme. Il m'a dit que, grand, je suis perturbé. Je suis perturbé par ce que mes yeux ont vu. C'est ça la réalité. Si ce n'est pas un manteau, des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées. Le dernier jour à Berton, on a rassemblé près de 5000 personnes qui sont rassemblées dans la grande cour et dans la salle. C'était plein à craquer partout. Donc si ce n'est pas l'authenticité, que c'est le témoignage de Dieu, l'Esprit de Dieu qui attire ces gens pour écouter l'évangile, toi donc qui as l'esprit de Dieu, va faire ça au moins. Quand, écoutez, si tu veux parler au docteur Tchalessomba, tu veux lui parler je pense que, premièrement, ça veut dire que si tu veux être respecté en parlant, premièrement, parce que tu es dans ta chambre, auto même manger te dépasse. T'habiller te dépasse. Les gens viennent même presser te dépasse. Donner la révélation, la parole, tu ne peux pas. Chasser les démons quand les gens viennent, tu ne peux pas. Prophétiser dans la vie des gens, tu ne peux pas. Guérir même les malades, tu ne peux pas. Les gens viennent, ils voient que leurs problèmes te dépassent, ils fuient, ils vont ailleurs. Et tu t'arrêtes là. Au lieu de pleurer devant Dieu, de t'humilier, de chercher la face de Dieu, tu injuries les gloires. Tu peux pas t'attaquer à des autorités spirituelles de la nation. Tu peux pas insulter. Va donc remplir le palais des sports. Laisse-moi le, le palais des sports. Va remplir le temple des nations. C'est là que, si tu parles, moi, prophète, je veux te considérer. Parce que, quand même, je comprendrais que toi, tu, si ce n'était pas, pas une autorité spirituelle, toi, tu es une autorité spirituelle. Mais tu ne peux pas faire le un 10 millième de ce que quelqu'un a fait. Mais tu t'arrêtes derrière ton petit pupitre pour t'attaquer à des autorités spirituelles. Pas, si ce n'est pas l'esprit d'égarement, expliquez-moi ce que c'est. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parment leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais d'où vient-il aujourd'hui Quelle l'Église de Dieu et les enfants de Dieu ont tellement de propos injurieux que même les païens ne visitent plus nos sites, parce que, nos, sites hein, nos forums, parce qu'ils ont peur d'être injurés eux-mêmes. Ça vient d'où Cet esprit d'injure, de mépris, d'insulte sur Facebook. Je ne savais pas que l'Église de Dieu était autant pourrie jusqu'à ce que le Covid vienne et nous oblige à nous retrouver sur la plateforme de Facebook. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bien aimé, je ne comprenais pas. Je ne savais pas, mais maintenant je le sais. J'ai été choqué qu'un homme comme celui-là, un homme, écoutez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans chaque génération, il y a des pionniers. Le docteur Charles Somba est un pionnier du ministère de délivrance au Cameroun, comme le, le, le prophète Ibn Joshua était le pionnier du ministère de délivrance au Nigeria. Mais vous remarquerez que ceux que Dieu a appelés dans le domaine de la délivrance, du ministère de la délivrance, ne sont pas compris. De même que ceux que Dieu a appelés dans le domaine du ministère prophétique. Ces deux ministères sont les ministères les plus combattus et les plus incompris. Ils sont les plus combattus parce qu'ils sont aussi les plus incompris. Pourquoi Parce qu'ils sont truffés de mystères. Et donc, il faut quelqu'un à qui Dieu a donné la révélation des mystères pour comprendre euh, ces révélations-là. Mais toute personne va se lever, immature, et puis lever la bouche et commencer à parler. D'où vient-il que dans notre nation, dans cette nation, l'on arrive là D'où vient-il aujourd'hui que les gens, quelqu'un se lève, dont la vocation n'est même pas prouvée, dont l'œuvre ministérielle n'a pas été prouvée dans la nation. Ça veut dire que tu vas insulter quelqu'un qui a fait pour cette nation. Je pense que c'est le seul homme de Dieu dans ce pays qui a convoqué les Camerounais Palais des Sports pour venir au secours du gouvernement camerounais. Et puis, dans ce plan d'aide pour le gouvernement. Il a suscité des dizaines de millions qu'il a reversés au gouvernement camerounais. Je pense que c'est l'un des pionniers qui nous a enseigné comment respecter le gouvernement. Donc, même le gouvernement camerounais devrait être reconnaissant envers l'œuvre de cet homme. On ne peut pas s'arrêter sur les défauts d'un homme pour le juger. Sinon, le roi David ne serait pas un homme de Dieu au Cameroun. <coughs> si le roi David était un serviteur de Dieu au Cameroun, on l'aurait régné. Parce que son cas serait pire que celui du docteur Tchalessomba. Somba. C'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est ça la vérité. Parce que David, étant homme de Dieu, a couché avec Bathsheba, la femme de quelqu'un. Il a commis l'adultère. Tout le monde le savait. Il a, il a commis un adultère. Et en plus, il a assassiné le mari de cette femme en tant que prophète, homme de Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Je suppose donc que si David était... Un prophète du Cameroun. Ce qui n'est plus l'homme de Dieu, il aurait même fui, on l'aurait chassé. Et qu'on apprenne que donc, voilà l'homme de Dieu s'il a couché avec la femme de quelqu'un. Voilà cet homme de Dieu-là, et non seulement il a couché avec la femme de ses fils ou bien d'une des, des, des brebis de son église, il a même encore empoisonné son mari et lui-même a confessé que oui, c'est moi qui l'ai empoisonné. Et il continue comme à faire le ministère. Non, l'église l'aurait vomi. Parce que l'Église est devenue impitoyable aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'ont pas droit à l'erreur. Or, vous exigez aux hommes de Dieu ce que vous ne donnez pas à Dieu. C'est-à-dire que tu exiges qu'un homme de Dieu soit sans faute. Toi, ta vie est truffée d'erreurs, de fautes, de péché, de souillures. Tu insultes un homme de Dieu parfois, mais tu as le préservatif que tu as oublié dans ta poche et Dieu va t'exposer, ta femme va t'attraper avec le préservatif là. Parfois, quelqu'un sort même la boîte de nuit. Il est encore dandinant, claudiquant, virevoltant à gauche et à droite, sentant faïta hate Mais il tombe sur le direct d'un homme de Dieu, c'est mal insulté. Toi qui te jugera? Vous jugez des hommes de Dieu. Qui vous jugera? Vous qui êtes meilleurs qu'eux. Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas appelé pour vous envoyer faire? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas rejeté David malgré son adultère et en plus? Laissez-moi vous montrer une autre chose. Le roi David a pris les femmes des gens pleins comme ça, sans douter. Il n'a pas respecté la loi du mariage. C'est pourquoi la Bible dira même dans le livre de Matthieu, dans la généalogie de Jésus-Christ, la Bible dit que. Et David engendra Salomon de Bathsheba, la femme du riz. Comme pour dire que même la Bible ne reconnaît pas euh, Bathsheba comme étant la femme de David. Donc David a vécu dans l'adultère avec Bathsheba jusqu'à sa mort. Donc Salomon était une femme, était un enfant adultéré, selon la Bible. Laissez-moi essayer de regarder si je peux. <coughs> mm -hmm. <coughs> 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 Excusez-moi. On va aller dans. Laissez-moi aller un peu dans Matthieu. Je vois c'est Matthieu chapitre 1. On attends, 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 Salomon. Voilà. Amram engendra Abinadab. Aminadab engendra Naassan, Nassan engendra Salomon. Salomon engendra Boaz, Obed, et donc Salomon, voilà. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme du riz. Matthieu 1, verset 6. Le roi David engendra Salomon de la femme riz. La Bible ne dit pas de la femme de David. Dans la Bible, les, même les écrivains de la Bible ont refusé d'accepter que Bathsheba était la femme de David parce que en vérité, il n'a pas doté cette femme, il n'a pas épousé cette femme, il a pris de force et dans toute sa vie, il a vécu dans l'adultère avec cette femme. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Les Juifs ne l'ont pas rejeté. Mais s'il était camerounais, c'est qu'on l'aurait rejeté. On l'aurait rejeté. Et beaucoup d'autres femmes, c'est-à-dire que les rares femmes que David a dotées, celles qu'il a dotées proprement, celles qu'il a dotées proprement, c'était Milka, la fille de Saül. C'est la seule femme que la Bible dit clairement que David l'a dotée, il a payé la dot. Mais les restes-là, il prenait les femmes des gens. Même lorsqu'il a pris Abigail, la femme de Nabal, il n'a pas allé voir les parents d'Abigail. Il n'a pas payé la dot, il a prise sans la doter. C'était un adultère. Mais Dieu l'appelle quand même l'homme selon son cœur. Et je me pose la question sur quelle base Dieu juge souvent ses serviteurs. Et toi, tu viens condamner ou Dieu n'a pas condamné Si David était un homme de Dieu au Cameroun, c'est qu'on dirait que c'est une forme de Dieu. Ces obsèques, même peut-être personne ne serait. Donc le docteur Tchallesson son mari, pour lui même pour lui-même, nous bénissons Dieu. Il y a quand même eu quelques milliers de personnes là-bas. Donc ça pose un réel problème. Sur quoi est-ce que Dieu se base-t-il donc pour juger ses serviteurs Comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous sommes devenus euh, euh, nous sommes devenus, euh, cette race là qui tue les prophètes qui égorge les prophètes? J'ai dit hier que le Cameroun est en train de définir une terre maudite. Le Cameroun est en train de définir une terre maudite. Le docteur Charles somba a fait de grandes œuvres dans cette nation et pour l'Église de Dieu au Cameroun, mais il a été abandonné au jour du malheur. Il a été rejeté par les hommes de Dieu et plusieurs hommes de Dieu qui n'ont même pas été là-bas. S'identifie à lui spirituellement dans le secret. Prie que Dieu, donne la grâce qui est dans la vie de cet homme. Moi aussi, je veux faire des choses qu'il a faites. C'est l'un des rares hommes de Dieu au Cameroun qui a eu pour père, qui a, qui a été père spirituel de plusieurs présidents dans d'autres nations. Qui pouvait appeler le président de telle nation vient un et dire viens mettre à genoux prie pour lui. On ne peut pas négliger ce fait. Mais aujourd'hui, notre nation insulte les gloires, injurie les gloires. Lorsque tu viens, tu dis que tu es un enfant de Dieu ou bien un homme de Dieu. Tu ouvres la bouche pour insulter. Un père. Bien aimé, quelle délinquance. Quel mépris. Et malheureusement, c'est ça, l'Église. Et il faut comprendre qu que si vous pensez que c'est arrivé aux autres, ça ne vous arrivera pas. Ça vous arrivera et je pense que peut-être même le pire vous arrivera, nous arrivera à nous. Si c'est arrivé au docteur Tchalessomba, il n'est pas le seul homme de Dieu que l'Église a abandonné au jour de la détresse. Ils sont nombreux. Dans l'histoire de l'Église au Cameroun, allez-y. Je, je, je me souviens comment raconter l'histoire d'un grand homme de Dieu. Euh, dans cette nation, je ne sais pas si c'est. qui est mort. Je ne veux pas faire d'erreur, je ne veux pas donner de nom. Mais j'ai quelqu'un, je ne sais pas si c'était Bati Bona ou bien de la génération de Bati Bona, qui est mort ici. Sa femme est nigériane. Il est mort au Cameroun ici. Un homme qui a rassemblé des milliers de personnes. Il a béni des milliers de Camerounais par son ministère. Mais il est mort parce qu'il a manqué l'argent pour acheter une poche de sang. Ses propres fils spirituels, qui sont des grands hommes de Dieu, dans cette nation l'ont abandonné aujourd'hui. Il y a un grand esprit, un grand démon d'ingratitude dans notre nation. <laughs> la fin de cet homme de Dieu, je vous dis la vérité. Il a manqué. J'ai reçu sa femme. J'ai reçu sa femme. Nous nous sommes battus à faire ce que nous pouvions faire. Je n'étais pas son fils spirituel. Mais elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a raconté comment les fils de son mari, quand son mari est mort, l'ont abandonné. Or, oh, du vivant de son mari, les fils l'honoraient. Les fils la respectaient. Mais lorsque son mari est mort, elle dit que tous l'ont abandonné et il est mort parce qu'il lui manquait l'argent pour acheter une poche de sang ici à l'hôpital, dans un hôpital de Yaoundé. Un héros, nous abandonnons nos héros. Nous détruisons nos héros. Nous-mêmes contribuons à la mort et à la chute de nos héros. Nous souhaitons la mort de nos héros. Nous prophétisons. Il y a même des hommes de Dieu qui prennent plaisir à prophétiser la chute d'autres hommes de Dieu. Où est la gloire dedans Quelle gloire est-ce que nous tirons Et mes yeux ont contemplé. Une autre malédiction dans l'Église de Dieu au Cameroun, c'est la malédiction qui est commune aux femmes des hommes de Dieu. Lorsque un homme de Dieu meurt, j'ai reçu la femme d'un apôtre dans ce pays, la femme d'un grand apôtre de ce pays, son mari est mort et elle est venue en pleurant. Elle a dit que quand son mari est mort, les anciens et ses fils, les pasteurs que son mari avait formés, se sont rassemblés. Ils l'ont convoqué lors d'une réunion et lui ont dit à partir de maintenant. Nous t'excommunions du ministère et donc tu n'es plus membre de cette église. Et ils ont chassé la femme de l'homme de Dieu. Ils l'ont abandonnée. C'est ça la vérité. Et comme j'ai dit avant, il raconte dernièrement, moi encore on comprend, c'est ma femme qui est morte. On comprend. Je suis un homme. Tu ne peux pas me parler n'importe comment, tu ne peux pas faire n'importe comment. Je suis le visionnaire. Mais la femme du docteur Tchalay Somba, c'est son mari qui est mort. Et donc, sa situation est plus grave que la mienne. Sa situation est plus sensible que la mienne, parce que c'est une femme. C'est la femme du visionnaire. Le visionnaire est mort. Alors maintenant, il y a quelque chose. Et je pense que nous devons prendre conscience. Les hommes de Dieu qui ont cru au docteur Charles Somba doivent se mobiliser autour de son épouse pour empêcher que ça arrive. La malédiction des femmes, des hommes de Dieu du Cameroun, c'est quoi Lorsqu'un homme de Dieu meurt, cette femme dit que c'est les propres fils de son mari et les anciens l'ont expulsé de l'église. On l'a chassé, on l'a abandonné. Vous savez ce qui est arrivé à la femme du docteur, du professeur Zach Fomoun Vous le savez Lorsque son mari est mort, lorsque son mari est mort, elle a souffert. J'ai un ami personnel qui a reçu la femme du docteur, du professeur Zach Fomoun. Et qui lui a dit un peu son quotidien. Cette femme a été abandonnée. Elle a été négligée. La maison où elle habite, elle est catastrophique. À l'époque, je ne sais pas si maintenant ça a changé. Mais elle a souffert. Elle a été abandonnée. Elle était négligée par l'église. Normalement, elle devrait vivre bien. Normalement, toutes les églises devraient lui reverser quelque chose par mois. Parce qu'elle est la mère du ministère. Elle a commencé avec son mari. Tous ceux qui sont venus par après n'étaient pas là lorsque ça a commencé. Je pense bien qu'elle était au début avec son mari. J'ai un peu lu l'histoire où il était encore à l'université, cette aura. Mais je vais dire quoi? Je veux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre pour le ministère avec un homme de Dieu comme sa femme. Et il n'y a donc pas quelqu'un qui mérite de manger le pain du ministère avec un homme de Dieu comme son épouse. Donc c'est une honte lorsqu'un homme de Dieu veut priver sa femme de la graisse du ministère. C'est une honte. Celle qui s'est battue avec toi, celle qui a été ta première brebis, la première personne à avoir foi en ta vocation, la première personne à te soutenir, à te donner de l'eau quand tu avais soif dans les batailles de l'éternel et qu'il n'y avait aucune brebis. Mais quand vous regardez les femmes des hommes de Dieu qui meurent au Cameroun, immédiatement les fils prennent le gâteau et cherchent. La première chose, la première personne à battre, c'est un coup d'état, c'est la femme de l'homme de Dieu. Regardez ce qui s'est passé à les mecs. Regardez, avec, enfin, je pense c'est avec papa Ndale. Je pense que c'est papa Ndalé. Lorsqu'il est mort, sa femme, moi je l'ai vue. Je ne dis pas comment raconter. Vous regardez dans quelles conditions sa femme vivait. C'était une honte. Vous regardez comment elle vivait. C'est une honte bien aimée. Elle est morte, abandonnée. Elle est morte. On n'a pas pris soin d'elle. Elle devait être respectée, honorée. Elle ne devait pas habiter où je l'ai la, vue habiter là. Non. L'église, elle devait lui construire une grande maison. Elle avait droit à se sentir heureuse d'avoir été auprès de son mari pendant toutes ces années. Ils ont, ils ont commencé le ministère. Maintenant, ceux qui sont venus régner sur le ministère, discuter et diviser même l'église, n'étaient pas là au début. La femme même qui était là... Qui a fait une œuvre de pionnière n'a pas profité, bénéficié de la graisse du ministère. C'est d'autres personnes qui viennent se partager le gâteau. C'est ça, malheureusement, dans l'Église aujourd'hui. Et on peut multiplier des exemples comme ceux-là, des femmes, des hommes de Dieu qui, lorsque leurs maris sont partis, immédiatement, on les a mises de côté. Je prie que ça n'arrive pas. Et mon conseil à l'endroit des fils du docteur Chale somba et des fils de son épouse, c'est vraiment ne répétez pas l'erreur. Ne répétez pas l'erreur et n'attirez pas la malédiction dans vos vies. Protégez votre mère, soumettez-vous à son autorité. Soumettez-vous à son autorité. C'est la réalité. Vous voyez, moi je pense et je crois, je crois que jusque dans la mesure du possible, lorsqu'une femme a la vocation de Dieu dans sa vie, comme je voyais cette femme, parce qu'elle me rappelle beaucoup mon épouse. Elle me rappelle beaucoup Momi. C'est une femme qui se battait. Je suivais beaucoup ses directs. Je la suivais, elle était du haut frère. elle était comme ma femme. Toujours en train de se battre pour enseigner, faire des directs, être sur la plateforme pour enseigner, apporter leur contribution pour l'avancement de l'église, pour l'édification du corps de Christ. Elle l'a fait. Donc, lorsqu'une femme est appelée au ministère que la main de Dieu est dans sa vie, il faut respecter cela. Ça veut dire quoi? Elle est l'héritière naturelle de son mari dans le ministère. Elle est l'héritière naturelle de son mari dans le ministère. Il y a des gens qui ont dit Ah, de passer ton mari prophète. Forcément, toi aussi tu dois une prophétesse Non, pas forcément. Mais dans le cas où il y a la vocation, la main de Dieu dans la vie de la femme, donc dans ce cas-là, elle est appelée au ministère, elle est l'héritière naturelle. Elle est l'héritière naturelle de l'onction de son mari, elle est l'héritière naturelle du ministère de son mari et dont tous les fils lui doivent allégeance et soumission. Un fils qui se rebelle contre ça, la mère, c'est-à-dire la femme de son père, se, révèle contre son, se révolte contre son père parce que c'est sa parente. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons comprendre. C'est un mystère. Donc, je pense que les filles du docteur Tchalessomba et de maman Dédé doivent comprendre qu'ils lui doivent soumission. Je parle des filles du Cameroun et hors du Cameroun. Si vous vous révoltez contre elles, je vous dis la vérité, vous aurez des sérieux problèmes. Parce que je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui prient pour elles. Parce que ces erreurs-là doivent être rectifiées dans cette nation. Vous tentez, ça vous aurez du problème, des problèmes. Vous aurez du mal. Ça, je vous dis la vérité. Vous, vous ne vous en sortirez pas. Donc, protégez votre mère. Gardez-la. Soyez comme une muraille fortifiée autour d'elle et accompagnez-la dans le ministère et faites-lui allégeance. Je pense que c'est ce dont elle a besoin. Soyez des modèles. Je pense que Vaïrakoum peut faire la différence. Ne suivez pas l'exemple des autres dénominations euh, qui, lorsque le leader est parti, la, les femmes ont été méprisées. Montrez-nous l'exemple. Nous avons les yeux rivés sur vous. Nous nous attendons à ce que vous soyez différents, que ce des grands soldats, des soldats consciencieux auprès de votre, euh, votre maman. Et nous nous attendons à cela et nous pensons que vous n'allez pas nous décevoir. Donc, bien aimé, je pense que euh, ce, ce direct euh, au sujet, à euh, ce sujet, je ne peux pas finir ça, je, je veux parler de ça toute la semaine prochaine. Toute la semaine, si je veux parler de ça. Toute cette semaine, je ne vais pas finir de décortiquer, d'escortiquer ce passage. On va continuer avec cela. Donc, vous voyez, mais bien aimé... Si vous êtes un homme de Dieu, votre frère est dans le malheur, tu ne l'assistes pas. Qui t'assistera au jour de ton malheur Vraiment. Sincèrement. Qui t'assistera J'ai dit à l'église hier, j'ai dit dans notre ministère, lors de mon culte d'hier, j'ai demandé à l'église qui d'entre vous, je suis sûr que parmi vous, il y a au moins une personne qui a été bénie par le docteur Tchalé Une personne qui, qui, qui vient de va raconte. Et il y a eu des mains qui se sont levées. Et j'ai dit après cela, je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici qui a assisté à l'un de ces programmes et qui a été délivré pendant son programme. Presque la moitié de la salle a levé la main. Mais je leur ai dit pourquoi vous êtes autant méchants au point où ils vous entendaient qu'il y a sa veillée, vous avez les possibilités d'y arriver et vous ne partez pas. Et je leur ai dit vous êtes méchants et c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite envers les hommes de Dieu. Ça veut dire que ceux qui se sacrifient pour vous, à la fin, c'est de, 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 de l'ingratitude qu'ils reçoivent. C'est l'ingratitude. Les obsèques de cet homme, la veillée de cet homme, devraient se passer au palais des sports. Et le palais des sports devait être plein, dents et dehors. Et donc, le gouvernement nous observe et il voit comment notre armée se réunit elle-même, comment nous abandonnons nos soldats dans le champ de bataille, comment nous sommes. Dans cet esprit d'ingratitude, de manque de reconnaissance, et le gouvernement va nous respecter comment Comment ça Au contraire, les hommes de Dieu devraient se lever à l'unisson pour aller dire au revoir à cet homme. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons eu des stéréotypes le concernant, pas parce qu'il nous a fait quelque chose, pas parce qu'il a tué quelqu'un de ta famille, pas parce qu'il a volé ton argent. Tu n'as aucun problème personnel avec lui. Mais tu l'as jugé condamné parce qu'on a dit, on a raconté. Et la personne qui est venue te dire et te raconter, elle a fait comment pour savoir ça Ou bien que c'était un sorcier, il pratiquait la sorcellerie, etc. Est-ce que la personne était là Parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour reconnaître un sorcier. Toi, est-ce que tu étais là Tu l'as vu un jour faire cela Au moins, à cause de ça, tu devrais aller. Mais on ne l'a pas fait. Mes amis, le malheur et la malédiction des hommes de Dieu dans cette nation, c'est qu'ils sont abandonnés. Nous sommes en train de perdre nos héros. Mais personne ne se rend compte. Ça fait la joie de beaucoup d'hommes de Dieu. La joie des hommes de Dieu qui pensent que pour devenir grand dans ce pays, il faut que ceux que Dieu a élevés quittent pour leur faire de la place. J'ai dit que si la présence d'une personne ne t'a pas permis de grandir, ce n'est pas son absence qui te permettra de grandir. C'est ça la vérité. Il n'y a plus de miséricorde dans l'Église. Tu vois un homme de Dieu qui parle d'un autre homme de Dieu. Quelqu'un meurt, tu te réjouis. Quelqu'un meurt, tu l'insultes. Quelqu'un meurt, tu insultes sa famille. Quelqu'un meurt, tu es sa femme et tu dis que tu es un homme de Dieu. Quel homme de Dieu Tu as quel cœur Tu as un cœur diabolique, un cœur méchant et mauvais. Un cœur sans pitié, sans compassion. La Bible dit celui qui tuera par l'épée, par l'épée sera tué. C'est une loi éternelle, une loi biblique. Nous célébrons la mort de nos héros frères. Comment en sommes-nous arrivés à ce point Quelqu'un meurt, tu es heureux frère. Un homme de Dieu, il t'a fait quoi il t'a fait quoi à toi? Il t'a fait quoi? Tu hais quelqu'un avec qui peut-être vous ne vous êtes jamais rencontré. Tu l'as même jamais dit bonjour. Tu le hais et tu prends même le temps dans ton pupitre pour aller le salir, aller prophétiser contre lui, aller dire à ton peuple combien il est mauvais et nous empoisonnons la conscience des brebis du Seigneur. Nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Je bénis Dieu parce que je n'ai jamais ouvert ma bouche pour maudire un homme de Dieu, mal parler d'un homme de Dieu dans notre ministère. Et l'une des caractéristiques de notre ministère, c'est que nos brebis respectent les hommes de Dieu. Que Dieu soit vrai ou faux, c'est ton problème. Ce n'est pas à nous de juger les hommes de Dieu, les serviteurs d'autrui. C'est la Bible qui le dit. Donc, mais il y a des personnes qui ont l'onction de juger. Ils ont l'onction de catégoriser. Ça, c'est le vrai, ça, c'est le faux. Et toute personne qui juge les autres veut dire qu'elle est vraie et que les autres sont fausses. C'est ça la réalité. L'église est devenue une jungle. Une, L'église est devenue. Ça dit qu'un monde sans pitié. L'église est devenue une terre les guerres fratricides se multiplient. L'église est devenue un lieu de méchanceté. La méchanceté au plus haut niveau. La méchanceté telle que même quand j'étais païen, je n'ai pas vu ce genre de méchanceté au milieu des païens. Aucune miséricorde. Aucune pitié. Pas de pitié. Nos héros sont en train de mourir. Un à un. D'autres sont en train de partir. Nous nous réjouissons. Le docteur Le de est parti. Des gens ont célébré. C'est bon. Un est tombé. Et les gens font des commentaires sur Facebook. Un est tombé. Deux, nous attendons encore. Donc, comment on est arrivé là Comment de telles personnes ont-elles fait pour se retrouver dans l'église de Jésus Jésus a dit à quelqu'un lorsqu'il avait célébré des noces il dit, mon ami, comment as-tu fait pour te retrouver ici dedans Il y a des gens que je me demande comment ils ont fait pour se retrouver parmi les hommes de Dieu. Il y a des gens, je me demande comment ils ont fait. Pour être appelé pasteur et prophète. Il y a des gens dans ce pays, je me demande comment ils ont fait pour être enfants de Dieu, pour se retrouver dans la maison de Dieu. Ils sont entrés par où Par où Comment ont-ils fait Quelle est l'alchimie qu'ils ont pratiquée pour se retrouver dans la maison de Dieu Vous regardez les gens Aucun signe d'amour Aucune... Un chrétien parle des notes, du malheur de quelqu'un cest à tu sens l'aigreur, tu sens la haine. Tu sens que si la personne là est en face, il va l'empoisonner, il va la tuer. C'est ça qu'aujourd'hui, moi, quand on m'invite dans certains milieux, je vais avec mon eau. Non, je ne mange pas, je ne bois pas. Parce que l'église, aujourd'hui, ta mort, ça veut dire que je ne me méfie pas de dehors, parce que je n'ai aucun problème avec les païens. C'est les chrétiens qui me font peur. C'est les serviteurs de Dieu qui me font peur dans ce pays. C'est les hommes de Dieu qui me font peur. Tu vois les commentaires de quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Sur Facebook, il t'insulte d'abord, il insulte d'abord ta mère, il insulte ton père. Où est l'éthique La Bible dit que l'archange Michel n'osa point porter des propos injurieux. Il dit Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Tu as laissé tomber une autorité spirituelle dans ces nations, que tu le veuilles ou pas. C'est une gloire. C'est une gloire. Et je me demande combien d'entre nous, de cette génération, accompliront ce qu'il a accompli. Combien d'entre nous le ferons Avec les moyens de bord que nous avons, à l'époque, il n'avait pas ça. J'ai dit en 1995, des dizaines de milliers de gens se rassemblaient en Gaondéré pour aller l'écouter. Sans télévision, sans radio, sans rien. Mais l'onction qu'il portait attirait les gens. Pourquoi Pourquoi Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais toi, ce n'est pas quel esprit que tu portes de jugement injurieux contre les hommes de Dieu, contre tes frères. Frère, si ce n'est pas que c'est l'esprit de l'antéchrist qui t'anime. Voici la Bible dit la Bible dit ceci clairement. Or, l'archange Michel, on parle, il dit Or, oh, en français, c'est pour dire l'exception. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avait le diable, pas avec un homme de Dieu qui, 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 qui jugeait de faux, avec le diable lui-même, et lui disputait les corps de Moïse. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Un jugement injurieux. Vous portez des injures, des, des injures aux hommes de Dieu. Ici, Satan lui-même, un ange, un général de Dieu, n'a pas porté des, des propos injurieux. As, tu ne portes même pas de propos, tu donnes des injures, tu insultes la mère de, de l'homme de Dieu, son père, tu insultes sa femme, tu insultes son mari. Vraiment. Ce n'est pas de Dieu. C'est ça que j'ai dit que ce sont des signes là-bas qui accompagnent ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas Dieu. Il dit au contraire, eux au contraire, parlant de ces catégories de personnes sur nos réseaux sociaux et dans nos églises, ces catégories d'hommes de Dieu. Eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Qu'est-ce que tu connais du ministère de cet homme Tu étais là quand Dieu l'appelait Tu connais son secret avec Dieu Tu injuries et parles des choses que tu ignores. C'est ce que la Bible dit. Eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. C'est ça la maladie de l'Église aujourd'hui. Porter des propos injurieux sur des sujets que vous ignorez. Qu'est-ce que tu connais de sa relation avec Dieu? Les gens se sont réjouis du départ du, du docteur Gionod Camden. Insulté, insultez, tu connais quoi de son secret avec Dieu? Vous aimez vous arrêter sur ce qui est visible. Tu connais qu'il y a quoi? Tu veux t'arrêter sur la femme du riz. L'adultère de la femme du riz. Tu veux t'arrêter sur le meurtre de du riz. Mais tu sais que Dieu s'accroche sur quoi Pour ne pas laisser partir David, pour ne pas abandonner David. Il s'accroche sur quoi Qu'est-ce que Dieu et David ont en secret et en commun Tu ne connais pas ça. Tu t'accroches sur la femme du riz tu t'accroches sur Samson, tu t'accroches sur... Il dormait dans la maison de prostituée. Mais tu ne comprends pas non plus comment ses cheveux ont repoussé et comment le dernier jour de sa vie, il a tué plus. Comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie malgré ce qui était visible. Nous nous arrêtons sur ce qui est visible pour condamner. Mais nous ne savons pas l'alliance invisible que les gens ont avec Dieu. Comment tu vas m'expliquer cela Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, c'est-à-dire la voie de la méchanceté. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes. C'est-à-dire les agapes, c'était des services où chacun portait à manger. Et euh, l'apôtre... Euh, euh, celui qui a écrit à Jude et expliqué et ces personnes-là venant au milieu des enfants de Dieu. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répéchant eux-mêmes, c'est-à-dire voulant se faire voir, disant que c'est eux les meilleurs, c'est eux les vrais. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. C'est ça la vérité. Ces personnes qui insultent les gloires, allez leur demander, allez regarder leur ministère, allez voir comment ils traitent leurs épouses, allez voir la vie qu'ils mènent en secret. Ils veulent se faire passer pour des saints, c'est eux les meilleurs. Ils insultent ceux dont l'œuvre n'a plus besoin de publicité parce qu'elle fait sa propre publicité. Eux, leurs œuvres, la Bible dit que ce sont des nuages sans eau. Des nuages sans eau, des personnes qui, qui aiment faire bonne chère, qui aiment se montrer, mais va voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Église Rien. Que Dieu nous bénisse et qu'il ait pitié de son Église. Si un jour vous avez parlé mal des noms de Dieu dans cette nation, repentez-vous. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à Yaoundé, 7h30 à la Bible pour un grand culte de délivrance et de restauration. Et à Douala et à Berthois, tous les habitants de la ville de Berthois, nous avons un grand culte ce dimanche à 16h à, au quartier Mokolo 1 en chaîne SCT.

I will love you by the love of Christ Jesus our Lord and savior. Just to tell you that I will be in, in the city of Bertois this Sunday at uh, 4 p.m. So don't miss our program will just it will be the closure of the 3 days we had together. So please don't miss come with all your family, come with your children, with your wife, with your with your husband and I know that the Lord bless us because I think that during the three last days uh, we experienced the the, the, the the power of God, and we saw the power of the Holy Ghost. And I believe that God will bless you, and He will seal what has, has been, what has been tell uh, has been told uh, for you in your favor. I will grant you the favor to go from grace to grace. May the Lord bless you in Jesus' name. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. <coughs> Rendez-vous <coughs> lundi. Rendez-vous lundi pour les grand direct de 10 h Nous reviendrons sur ces faits. Et je sais que Dieu nous aidera. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Et ce soir, conférence des bienfaiteurs. Tout à l'heure, à la bière, à 18h. Shalom.